exceptionnel. Et un danseur, je dirais, simple, ferait vraiment pas le figure à côté d'eux pour plein de choses différentes. Déjà par la technique, par la musique qu'ils ont eux, leur rythme, leur façon d'être. Et ils ont fait tous les deux une école de cirque, donc ils ont une gestuelle qui correspond aussi, qui va bien les deux ensemble, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si je mettais un danseur de basse classique à côté d'eux, bah, il serait complètement ridicule. Voilà, et puis au niveau musculature, c'est vrai que là, je suis sur une musculature très particulière, hein, puisque ce sont avant tout des acrobates. Oh, Lélia ! C'est lui, Lélia ! Clique tes yeux, Lélia ! Bien ça. Là, maintenant, c'est le temps de répondre. Parce que le spectacle, il demande. Mais je suis extravagance. J'espère que personne n'aura un petit aiguille. Hein. Je te passe. T'as pas de muscles, toi. Pas de muscles, tu vois. Tu peux, je te dis, fais un effort. Il n'y a pas d'orso. Non, il n'y a pas. Mais en cas de poignet. En fait, c'est-à-dire qu'entre nous deux, on se connaît depuis 17 ans. Et on a une bonne entente. C'est-à-dire que je peux savoir ce qu'il pense, ce qu'il lui pense, et lui aussi de moi. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est réservé. Par contre, avec le respect qu'on se tient, bah, tout marche bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, je peux le dire. On voit que tu souffres pour aller plus bas. Toi, tu descends comme la jambe, celle-ci de Coco, en fait. Voilà, rack. Pas plus avec là, elle. Pas plus avec là. Elle. Voilà, c'est tout. Mais la pointe du pied de Coco là-bas, elle est pas. Et faut que tu descendes encore. Tu peux descendre un peu. Là, vous êtes bien, les gars. Non, ça, c'est les mado. 13. Vous voyez ? Les patatos, les steaks. La bon, on va nous mettre en équilibre pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, on va prendre la soupe avec les boys. Hey, oh, il m'a piste. Coco, le public. Ouais. Le public est génial. La salle super, le spectacle. À part qu'on a fait déjà d'autres spectacles dans la semaine, c'était génial. Et donc, et maintenant on va les dire comment on vient Cuba à voir, c'est-à-dire hasta luego.